la course au leadership est lancée au sein du Parti conservateur du Canada. Qui sera le prochain chef? En qui faut-il avoir confiance? Et surtout, quels sont les enjeux qui tiennent vraiment ce parti à cœur? Les réponses avec Jean Charest, l'invité de l'émission Diversité à Radio Centre-Ville, ce samedi 30 avril 2022, à partir de 14h. Monsieur Jean Charest, ancien Premier ministre, qui déjà se prépare, comme je vous l'ai dit, qui est en mode campagne pour les prochaines élections fédérales. Monsieur Charest, d'abord, doit se faire élire à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Donc, il était au micro d'Ismaïl Mbonigaba. Jean Charest, bonjour. Hello, bonjour. Bienvenue à Radio Centre-Ville. Ben merci, c'est très... Est-ce que je peux vous appeler Ismaël, ça vous convient? Ça me convient, messieurs. Okay. La course au leadership est officiellement lancée au sein du Parti conservateur du Canada. Êtes-vous parti du bon pied, comme on dit en athlétisme? Oui, on est parti du bon pied. On est parti. Vous savez, c'est une course, Ismaël, qui a sa propre logique. Hein? Ben, ce sont les membres, d'abord, en règle, qui voteront. Les membres, en règle, doivent acheter leur carte de membre d'ici le 3 juin prochain. C'est la date butoir, après quoi ils sont éligibles pour voter pendant l'été avec un bulletin de vote qui arrivera par la poste. Et c'est un bulletin préférentiel où vous indiquez votre premier, deuxième, troisième choix, etc. Et c'est une centaine de points par compté. Alors, la mécanique est un peu complexe là, pour les personnes qui ne sont pas initiées, mais elle est bien partie. Nous, on est beaucoup sur le terrain. Et on est beaucoup dans le recrutement. D'ailleurs, on dit à tous ceux qui pensent ou espèrent ou qui veulent soutenir ma candidature d'aller à jeancharest.ca et de prendre une carte de membre. C'est ce qu'on fait à chaque occasion. Et le grand rendez-vous, c'est en septembre, le 10. Quels atouts avez-vous en poche qui vous rendent le meilleur candidat? Donc, je rappelle que vous êtes en compétition avec 7 autres aspirants. Oui. Et nous saurons bientôt, là, dans les jours qui viennent, qui seront sur le bulletin final, parce que il y a encore un délai pour rencontrer ou pour adhérer ou entrer dans la course. Il y a moi essentiellement, Ismaël, je suis dans cette course parce que j'ai une passion pour le Canada. Ça a été l'histoire de ma vie. Ça a été le fil commun de toute ma carrière politique. Ça a été cette conviction profonde que nous vivons dans un pays exceptionnel. Et que le fait d'être citoyen du Canada, c'est comme gagner la loterie. C'est un pays, je dis ça avec tout le respect que j'ai pour les autres pays qui sont merveilleux aussi, mais honnêtement, au Canada, on est un pays où tout est possible. Maintenant, le pays est profondément divisé. Sur le plan économique, les défis sont très grands. On sort de la COVID avec un très haut niveau d'endettement. On sent bien deux choses. On sent bien que le gouvernement n'a pas de politique économique pour grossir et faire croître l'économie d'une part, et que sur le plan international aussi, notre voix est beaucoup diminuée. Notre voix n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, alors que le Canada a de tous les temps, je le sais, moi j'étais dans un gouvernement qui a combattu l'apartheid en Afrique du Sud. Moi j'étais dans un gouvernement où le premier ministre canadien est allé affronter Margaret Thatcher et Ronald Reagan sur cet enjeu-là. Ça, c'était nous avions, Monsieur Brian? Mulroney. Oui, c'était Mulroney. On s'est battu. Le Canada, à ce moment-là, avait une voix forte sur le plan international, mais malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. On voit bien que notre voix a beaucoup diminué. Ben, on reviendra sur le Canada un peu plus tard. Alors, Monsieur Charest, pour cette course, les atouts principaux que vous avez, c'est quoi? Ben, c'est d'abord une expérience comme premier ministre du Québec et une feuille de route qui témoigne de mes valeurs conservatrices. Et les valeurs conservatrices, c'est quoi, Ismaël? Hein? Moi, je suis sur le plan fiscal, je suis un conservateur. J'y crois beaucoup. La preuve, c'est que M. Legault, au moment où il arrive au gouvernement, après 15 ans de gouvernement libéral au Québec, qui est une coalition fédéraliste, hérite d'un surplus de 8 milliards de dollars. 8 milliards, un surplus de cette taille-là, vous ne verrez plus ça de votre vie.
et une cote de crédit plus élevée au Québec qu'en Ontario. L'autre valeur, c'est une conviction qu'il nous faut une économie de marché. La troisième, c'est valeur, c'est des politiques économiques qui favorisent la croissance et la croissance aussi dans le secteur des ressources naturelles, pétrole, gaz, les minéraux. Et la quatrième valeur, c'est sur la famille. Les conservateurs ont une conviction très profonde sur la famille comme étant l'ancre de notre société. Les familles telles qu'elles sont composées en passant. Et l'autre valeur, c'est le respect de la règle de droit, ce qu'on appelle en anglais la honnête, la loi et l'ordre. Ça, c'est extrêmement important. Et l'autre valeur qui est très importante et qui est propre aux conservateurs canadiens, c'est notre façon à nous de faire fonctionner notre système fédéral qui est fondé sur le respect des compétences des provinces. Là-dessus, on est, honnêtement, lorsqu'on est au gouvernement, nous avons cette capacité de faire fonctionner notre pays pour réaliser des grands projets. Voilà les valeurs qui ont animé ma carrière politique. Très bien, vous misez beaucoup sur votre bilan en tant que premier ministre du libéral du Québec. Un bilan par ailleurs justifié par votre longévité dans cette fonction. Mais n'est-ce pas justement que cette trajectoire libérale pourrait faire douter de vous dans les milieux conservateurs? Ben voilà où il y a une particularité de la politique canadienne. Lorsque je suis arrivé, moi, comme chef du Parti libéral du Québec, je suis d'abord arrivé à la tête d'une formation politique qui est une coalition de fédéralistes. Mm-hmm. Alors, nous sommes en 1998, lorsque j'arrive comme chef, moi, et déjà à ce moment-là, au Québec, la politique se partage en deux camps. Il y a d'un côté les fédéralistes et de l'autre côté les souverainistes. Alors ça, Et il n'y avait pas de parti conservateur provincial à cette époque-là. Et vous vous rappellerez, mais lorsque je suis arrivé au gouvernement en 2003, j'ai gouverné pendant plus de 9 ans. À ce moment-là, j'ai gouverné en fonction des valeurs que je viens de d'énumérer, des valeurs qui sont conservatrices et qui rejoignent une forte majorité de la population, à mon avis. Mm-hmm. Pendant votre carrière, vous avez vraiment été un allié d'Ottawa, des libéraux d'Ottawa? Oui. Pendant ma carrière politique, le Parti libéral du Québec, d'abord, a toujours été très indépendant du Parti libéral fédéral du Canada. Depuis les années 60, que ces deux partis distincts, séparés, c'est une très bonne chose, parce qu'au Québec, on défend d'abord les intérêts du Québec dans nos domaines de compétences. C'est normal, c'est très sain que ce soit ainsi. Mmh. Et donc, c'est normal. Bon. Vous alliez ajouter un commentaire? Votre slogan de campagne est « Built to win », le mouvement bâti pour gagner. Mais quelles sont vos perspectives, quelles sont vos perspectives pour le Québec ou Parti québécois, la CAQ et même Québec solidaire? Ils vous attendent tous au tournant. Ah ben voilà, le thème est très lié au fait que nous venons de perdre 3 campagnes électorales consécutives. Les conservateurs au niveau fédéral ont perdu en 2015, 2019, 2021. Ouais. Ils ont vraiment perdu les campagnes. C'est pas que M. Trudeau a gagné, parce qu'honnêtement, la campagne de Donner était, pour ainsi dire, assez bizarre. Maintenant, nous sommes dans une dynamique où on doit choisir un chef qui va, lui, rassembler le parti conservateur, l'unir, et le faire gagner l'élection générale. J'ai aucun doute sur ma capacité de le faire. Et notre succès au Québec va être très important. Rappelons-nous qu'il y a au Québec 32 comtés qui sont au Bloc québécois. Mm-hmm. Et que c'est des comtés qui, lorsque je deviendrai chef, j'en ai la conviction intime, seront parti conservateur. Paul Saint-Pierre Plamondon est le chef péquiste. Lui, il a promis de vous poursuivre pour la corruption qui a marqué l'ère Charest. Et là, on fait allusion à la commission Charbonneau. Ouais. Je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus, à part que de vous dire que tout ça n'est que du vent. Honnêtement, je ne serais pas dans la course au leadership si j'avais le sentiment que j'avais quoi que ce soit me reprocher. Alors, monsieur, peu importe, là, tu sais, on voit bien que c'est des gens qui sont un peu désespérés, qui cherchent toutes sortes d'arguments, mais les gens me connaissent, ils connaissent ma feuille de route, ils savent qui je suis.
Et là-dessus, j'ai pas de souci. Le Parti conservateur est confronté au clivage interne. Les clivages d'ordre idéologique sont des clivages qui aliènent au parti les appuis, notamment en ce qui concerne l'avortement, le mariage gay et les réchauffements climatiques. Comment est-ce que vous pensez que vous allez mobiliser les troupes conservatrices autour de ces questions? Ben, un parti politique, c'est une institution vivante et qui évolue dans le temps, qui rassemble des hommes et des femmes qui partagent des valeurs communes, des valeurs conservatrices que je viens d'énumérer, et qui, dans le temps, déploient les valeurs, les pratiques, lorsqu'ils sont au gouvernement, dans le contexte où ils se trouvent. Alors, il est normal qu'un parti évolue, et chaque chef vient marquer une partie aussi. Maintenant, là-dessus, le travail et le mandat du prochain chef, et c'est ce que je ferai, ce sera d'unir les députés, et d'unir le caucus, et d'unir le parti. Là-dessus, j'ai confiance, je l'ai déjà fait dans le passé, je le ferai à l'avenir. Et il faut le faire en respectant le fait qu'il y a à l'intérieur d'une formation politique des gens qui peuvent avoir des vues divergentes sur certains enjeux. Par exemple, il y a des gens qui se décrivent et qui se considèrent comme étant sur le plan social plus conservateur. Mais souvent, c'est qui ces gens-là? C'est des gens qui, pour qui leur vie est fondée beaucoup sur leur foi, sont très attachés à leur famille, à leur communauté, leur église. C'est quand même des gens exceptionnels. Alors, il faut pas démoniser les gens pour qui la foi est un élément extrêmement important, le fondement de leur vie, parce que au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes-là et beaucoup de respect pour elles. Et elles doivent savoir, ces personnes-là, que dans notre famille politique à nous, il y aura toujours une place pour elles. Mais personnellement, vous êtes pro-vie et pro-mariage gay? Ben moi, je suis pro-choix et oui, je suis, moi, tout à fait. Je suis très ouvert au droit et à la reconnaissance de la communauté LGBTQ2. Il faut. C'est dommage. De toute façon, c'est des sujets qui sont réunis. On ne reviendra pas là-dessus. Et que lorsque j'étais au gouvernement du Québec, c'est aussi des sujets sur lesquels nous avions des perspectives très claires. Et là-dessus, ce n'est pas un sujet pour moi. Je pense que le parti et le gouvernement ont déjà passé l'étape de ces débats-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus, il faut continuer à respecter la perspective de ceux qui sur la question pro-vie, pro-choix, ont des opinions différentes. Jean Charest, premier ministre en devenir du Canada. Votre slogan dit ceci, nous croyons que le Canada peut faire mieux. En quoi, par exemple? Sur le plan économique, on peut faire beaucoup mieux. Vous savez, sur le plan économique actuellement, toutes les mesures prises par le CDE prévoient une croissance anémique du PIB. Et la productivité. Je pense que sur le plan économique, il nous faut des politiques fondées sur la croissance de l'économie, pour grossir l'économie. Et ça veut dire aussi un développement de nos ressources naturelles, pétrole, gaz, les pipelines, ça veut dire le secteur minier, qui est extrêmement important dans le secteur, par exemple, des voitures électriques ou des énergies alternatives. Alors ça, c'est ça que j'entends. J'entends aussi sur le plan de la santé, par exemple. Moi, j'ai proposé une politique de santé où on change la loi canadienne sur la santé pour donner plus de liberté aux provinces d'introduire de nouveaux modèles pour les raisons de soins de santé. Là aussi, le système de soins de santé canadien est durement éprouvé par la COVID. Et il faut maintenant reconstruire et soutenir surtout les hommes et les femmes qui ont travaillé dans les groupes qui sont des héros. Déjà qu'avant la COVID, le système était déjà mal en plein. Alors là, il faut ouvrir davantage pour permettre aux provinces de développer de nouveaux modèles pour livrer les soins de santé. Et moi, je propose qu'on maintienne
le principe d'un payeur mixte, c'est-à-dire que les gens ne payent pas pour recevoir des services, et qu'on pourrait très bien faire jouer un rôle plus important au privé. Ça, on connaît davantage les diplômes des immigrants récents qui viennent au Canada. Ça, il me semble qu'il y a une logique là-dedans. Là. Infirmière, médecin, ingénieur, enfin. Le Canada est... Pardon? Ils ne sont pas acceptés, on dirait. C'est très difficile de voir un médecin africain qui a pratiqué pendant toute sa vie être accepté ici comme médecin. Ben, il faut faire mieux. Il faut reconnaître les diplômes et les qualifications de ceux qui viennent ici. C'est dans notre philosophie. Et pour nous, c'est une vraie richesse que d'avoir des nouveaux Canadiens qui sont dans la famille, qui amènent leur talent, leur intelligence, leur expérience, et de les priver de pouvoir faire le travail pour lequel ils ont été formés, ça me paraît complètement logique. Quel plan avez-vous relativement à la solution du problème de racisme systémique? Est-ce qu'il constitue un enjeu social majeur pour le Parti conservateur? L'importance, la question du racisme. Vous savez, en 2015, le Parti conservateur a eu la mauvaise idée de faire une politique d'immigration qui, honnêtement, était très mal passée. Une politique qui, vous rappelez peut-être, il proposait de faire une ligne pour dénoncer les pratiques normales, etc. Je ne sais pas d'où est venue l'idée, mais enfin, c'était pas génial. Et là, il nous faut une politique qui encourage l'intégration. Et pour moi, la meilleure façon d'encourager l'intégration, c'est de reconnaître une qualification. C'est quoi, là? Il faut faire aligner le mot immigration et intégration. Et l'intégration, c'est par le travail, c'est par la langue, c'est par la communauté qu'elle s'opère. Et donc, c'est là-dessus que je fais. Et là-dessus, personnellement, j'ai toujours eu une très grande attention pour ces enjeux-là, parce qu'une société diversité est toujours à risque de situation de discrimination. Il faut être très vigilant là-dessus. Il ne faut jamais laisser là. Bon, les tendances extrémistes calquées sur le modèle américain de suprématie blanche ou de néo-nazis sont en hausse ici au Canada. Quelle est votre approche pour tranquilliser ces gens? Ben là-dessus, il faut être... il faut pas tolérer ces comportements. Il faut vraiment être ouvert et sanctionner ceux qui se prêtent à ce genre de comportement-là. C'est un vrai problème dans la société. Et par ailleurs, je vous dirais, Ismaël, pour la course du leadership actuelle, il y a comme un choix qui est là. Où le Parti conservateur va prendre la route ou le chemin de la politique américaine, donc de diviser, d'opposer, polariser. Et nous allons être Canadiens de notre façon de faire la politique. Moi, je vois le choix comme ça. Et vous faites référence à des travailleurs de politique américaine qui sont terribles, on ne veut pas ça chez nous au Canada, c'est pas nous ça. Venons-en maintenant à la grandeur du Canada. Vous avez souhaité que le Canada et son armée est très forte puis pour sa souveraineté. En ce qui concerne la diplomatie, quelle analyse faites-vous de la gestion de la crise ukrainienne par les Occidentaux? La crise ukrainienne pour nous au Canada, c'est pas... Tiens, d'abord, à dire une évidence, c'est pas un enjeu partisan, c'est pas un enjeu sur lequel je cherche à contredire le gouvernement fédéral. On souhaite, lorsque l'on quitte le Canada et on est à l'étranger, parler d'une seule loi. Là où il y a un regret, je pense, qu'il y a un constat à faire en cas de la guerre américaine, c'est à quel point nos ressources pour notre défense nationale sont faibles. J'aurais voulu, moi, que le Canada puisse plus rapidement offrir des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre. Mmh. Et parce qu'on a tellement négligé notre défense nationale, alors on est pas capable de le faire. Maintenant, il y a d'autres mesures. Là, il faut soutenir les Ukrainiens qui sont des réfugiés, certains qui vont venir ici, peut-être en permanence, peut-être temporairement. Il faut être, je pense, très flexible, attentif à leurs besoins. Nous devons soutenir les pays qui les soutiennent. Est-ce que envoyer les armes en Ukraine, cela ne contribue pas seulement à faire souffrir ce peuple? Pourquoi les Occidentaux n'envoient pas l'armée? Ben, nous travaillons le Canada à l'intérieur de l'Alliance de l'OTAN.
avec les ressources que nous avons, pour bien travailler avec nos amis, on n'a pas beaucoup de choix. Mais en même temps, il faut faire le maximum de ce que nous pouvons faire sur le mal bilatéral, en ayant des armes, de l'aide, en accueillant les réfugiés, ce sont des choses que nous devons faire. Et pour ce qui est de l'intervention, que de tout ce qui relève, ou tout de fait militaire comme tel, là, il faut travailler à l'intérieur de notre alliance avec nos amis de l'OTAN. Jean Charest, je vous remercie pour ce temps que vous nous avez accordé. S'il y a une question que nous n'avons pas abordée, je vous laisse libre cours en guise de conclusion. Ben, à libre cours, je vous dirais ceci, mais il y a toujours des auditeurs. Si vous voulez un parti conservateur qui est vraiment un parti national, qui est capable de représenter chacun, peu importe la période de temps depuis que vous êtes ici, peu importe vos origines, et qui représente le nom universel que nous avons, de ce que c'est l'humanité, mais aussi être canadien, vous invite à soutenir la candidature. Allez à jeancharest.ca, prenez une carte de membre avant le 3 juin prochain, et vous pourrez soutenir ma candidature en étant pour moi lors de la course leadership qui va se dérouler pendant l'été avec un résultat final qui sera annoncé le